Je m'appelle Léa de Bernardi, j'ai 29 ans, je suis designer d'objets. Alors ce qui m'intéressait, c'était de faire un objet en collaboration avec un artisan. Alors la première idée de Sylvain, c'était de travailler sur un objet dans le domaine de la parfumerie. Nous avons vite pensé à nous diriger vers un présentoir, un écrin qui puisse mettre en valeur le parfum. Je perçois le design comme une discipline qui se nourrit, qui s'enrichit à chaque collaboration. Céramiste installée à La Colle-sur-Loup. Je m'appelle Aurore Torigiani, je suis designer produit et je suis basée à Marseille. La chambre de métier m'a proposé ce projet et ça m'a intéressée de travailler avec une jeune designeuse. En premier lieu, j'ai essayé de savoir quelles étaient ses matières qu'elle préférait travailler, quelle était sa façon de travailler. Aurore est arrivée avec un projet et mon savoir-faire, ma technicité, savoir quelle méthode utiliser pour arriver à l'objet fini a permis de mettre en œuvre ce projet. Le projet que l'on a développé, c'est un set d'objets pour la salle de bain qui permet de contenir et présenter le savon noir pour l'hygiène corporelle, donc du savon vendu
en vrac sous forme de pâte, qui est un produit écologique. Ça fait énormément de bien de fréquenter de nouvelles générations. Francine, elle m'a aidée dans son expertise de la céramique et de l'émail. Elle m'a conseillé pour le choix de la terre. On a beaucoup de dialogues et je trouve ça très enrichissant et je pense que c'est enrichissant des deux côtés. Et donc avoir un avis extérieur, avoir une méthodologie extérieure, c'est enrichissant autant pour le designer que pour l'artisan.